Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un cinquième projet Keepers. Donc, ouais, alors je sais, je les enchaîne, mais du coup, parce que après, je voudrais me consacrer aux albums photos et aux projets Scrapcolors que j'ai. Du coup, comme je voulais vous mettre les tutos après vous avoir présenté les projets, voilà, du coup, il faut que je me mette au boulot. Parce qu'en fait, j'avais pris deux pendules comme ça. Donc, on a fait celle-là, c'est le premier projet. Sais pas si vous vous souvenez. Hop. Et là, je voulais faire celui-là. Mais là, je voulais la travailler en mix média. Parce qu'en fait, j'avais dit que je ferais un de chaque. Mais bon, comme il y a déjà celle-là en mid-tech. Il y a celle-là qui est un peu chabie et tout. Donc, c'est pas du tout le même style. En fait, c'est les mêmes. C'est juste la forme de la pendule qui va changer après. Donc, c'est suivant votre goût. Du coup, j'avais envie de partir sur du mix média. Donc, ben, c'est parti. Je vous baisse et on va y aller. Alors, hop. Donc, ça, c'est un kit où il y a déjà les aiguilles dedans. Hein, comme, pour celles qui ont vu le premier projet. Vous le voyez, vous le savez. Donc, hop. Donc, là, ça, je le mets de côté jusqu'à tout à l'heure. Donc, c'est une plaque hexagonale. Du coup, ben, je vais venir. Est-ce que je travaille directement dessus? Ouais, on va venir faire les fonds directement et après. Ouais, je vais faire comme ça. On peut passer du gesso. D'accord. Et comme à mon habitude, je vais me servir de mon chouchou. J'ai aussi, mais j'ai oublié, je l'ai oublié en fait, il était passé sous les catalogues avec du papier craft pour les kits que j'avais. J'avais déjà téléchargé la vidéo et tout, donc j'ai pas eu envie de la refaire. C'est tellement long de télécharger que voilà. J'avais pris ce pochoir l'autre fois. Et du coup, bah, j'avais envie de voir si on pouvait pas combiner les deux. Voilà, tout simplement. Parce que là, par exemple, on pourrait vraiment combiner les deux. Donc, je regarde là. Et celui-là, parce qu'il est vraiment joli. Et celui-là, je l'avais pris parce que je trouve qu'il va très bien avec les papiers Exploration, les derniers, enfin non, les avant-derniers du coup, que j'avais eu. Donc, je l'avais pris. Il y a plein de pochoirs chez Keepers. Vous voyez faire un style. Je sais pas si je vais pas plutôt mélanger et celui-là le couper en fait en plusieurs. Ouais, on va faire ça. Je vais juste regarder quand même. Je vais pas trop mettre de la pâte texture là quand même autour au milieu à cause de après des aiguilles parce que là il y a la rondelle, la vis. Donc je veux pas trop d'épaisseur au niveau du trou, donc je vais partir un peu plus loin. Donc je vais reprendre ma pâte texture effet sable. Vous savez que c'est ma chouchoute maintenant pour l'effet sable, hein, parce que pour l'autre, pour la normale, tant que j'ai pas essayé celle de, enfin la même, mais en normal. Ça reste Ranger quand même. Donc, je ne l'ai pas nettoyé, bien sûr, ce matin. Bon, on va voir ce que ça donne. Donc, je prends de la pâte texture. Et parce que là, je voulais vous montrer qu'en fait, il y avait plusieurs façons aussi de travailler. On n'est pas obligé non plus de faire qu'avec des papiers de riz. Et c'est ça qui est bien. En fait, je voulais vraiment vous montrer plusieurs projets. Vous montrer le plus possible ce qu'on pouvait faire, en fait. Tout simplement. Donc là, par contre, je ne vais pas venir au milieu. Il faut juste que je pense à pas y aller. Je me connais.
Donc, on racle bien, comme d'habitude. Je crois que j'ai bougé, bien sûr. Donc là, je fais doucement parce que je voulais pas en mettre tout le rond là au milieu. Je vais pas en mettre au cas où. Je vais venir essayer d'en mettre juste au bord là. Mais pas le rond. Donc là, hop. Vous voyez, je fais très attention de pas trop en mettre. Et donc alors, désolé, ça n'a pas marché. Voilà. Non, j'ai fini les pochoirs. Alors là, je me suis servi du pochoir pour mettre les chiffres. Voilà le 9, mais je viendrai le mettre en sheetboard, mais voilà. On aurait très bien pu les laisser là, ça aurait fait super joli. Mais bon, voilà. Du coup, je vais venir placer du gesso. Donc, je vais prendre mon gesso noir. Ouais. Comme d'habitude. Et je vais venir en mettre partout. Peut-être que je pourrais le faire hors caméra, hein, parce que... Tout le monde sait mettre du gesso. Donc, voilà. Hop. Donc, je mets le gesso hors caméra et on se retrouve dessus. Donc, alors, voilà, j'ai mis le gesso. Donc, hop. Et là, du coup, ben, maintenant, je vais venir coller des sheetboards. Alors, les sheetboards, moi, je vais me servir de ce qui me reste des autres projets. Mais c'est celui-là. Celui-là. Et celui-là. J'ai plus d'horloge, sinon j'aurais bien mis une horloge, mais bon, je n'en ai plus. Donc, ben, je vais venir les coller par-ci, par-là. Donc, je regarde. Là, les chaînes. Je voulais mettre des chaînes, là. J'aime beaucoup les chaînes. Hop. Donc, je défais. Peut-être que j'aurais pas besoin d'ouvrir l'autre. Je vais voir. Là, ça avait les restes de l'autre. Donc là, ouais, je vais venir le coller. Alors là, on y va. Donc, pour le coller, on peut très bien le coller aussi au gesso. Hein, peut-être pas qu'au pistolet à colle. Au médium, excusez-moi. Donc là, hop. Je viens coller. On fait quand même attention qu'il va y avoir les aiguilles quand même après. Donc on ne les met pas trop près non plus. On y va. Encore ces sheetboards, ça va, ils sont assez fins. Ils ne sont pas trop hauts. Et donc, dans le bon côté, ce serait mieux. Hop. Donc, voilà. Je vérifierai après quand même. Là, du coup, celui-là, je vais le couper en deux, tout simplement, pour venir faire la suite. Donc là, je vais enlever ici. Ici, pareil, je vais venir mettre l'autre. Par contre, ouais, on va le mettre ici. Donc, hop. Donc, vous voyez, c'est vraiment appris comme on veut. Hein. Là, je vais venir poser les engrenages. Non, là, je n'y ai plus, donc là, je vais prendre l'autre.
notre plat. Hop. Donc, je vais commencer par les petits. En fait, on reprend un peu la planche que j'ai fait, mais en horloge, tout simplement. Par contre, on fait attention de ne pas trop gâcher le... Je vais y arriver, je suis désolée. Le pochoir, excusez-moi, on va y arriver. Donc ça, je les collerai après cela. Du coup, qu'est-ce que je vais y mettre? C'est pas trop. Non. Du coup, après, je viendrai sûrement coller les chiffres quand même, peut-être. Si ça ressort pas bien, quand ce sera fini, je viendrai faire les chiffres. Du coup, ben, tant pis, on va reprendre les chaînes. Parce que je trouve que c'est trop joli, là. Il m'en manque. J'ai envie d'en mettre, là. Je sais pas pourquoi. Cherchez pas. Hop. Donc, on va mettre des chaînes différentes. Là, moi, j'ai envie de mettre celle-là. Donc, là, je vais venir couper quand même. Et on va venir. Voilà. La colle, je l'enlèverai après. De toute façon. Je ne sais pas où j'ai mis mon autre bout de chaîne, mais vous devez le savoir. Ah, voilà, il est là. Ça y est, c'est bon, je l'ai trouvé. Et là, ici, je vais le mettre là. Ouais, ici. Bah, après, c'est vraiment comme vous le sentez, vous, hein, comme d'hab. Hein. Là, j'ai envie de le mettre ici. Voilà, du coup, je le mets sur le 9, mais ça, c'est pas grave, puisque de toute façon, on sait très bien qu'il sera caché après. Donc là, on va mettre une autre chaîne. Donc je mets un peu de colle. Et encore. Donc on y va. Voyez, je vais pas trop vers le milieu quand même, puisque je sais pas trop ce que ça va donner au milieu en fait. Donc là, hop, ici. Se cramer. Donc là, hop. Voilà. Et ben, le dernier, je vais juste venir le mettre ici. Ouais. On va juste le couper en deux du coup et je vais venir le mettre au milieu. Donc on va le couper en arrondi. On va essayer de le faire bien quand même. Et je vais venir le mettre ici, celui-là. Et pour le petit, je vais venir le mettre ici.
j'ai des fils partout, mais ça c'est normal, hein, vous le savez. Hop. Non, voilà. Et puis je pense que je vais arrêter là. Je vais recouvrir de gesso. Je voulais quand même mettre des engrenages là en bas. Ouais, allez, hop. On va les mettre comme ça, ce sera fait. Hop. J'aime beaucoup ces sheetboards. En fait. Là, je vais le couper en deux. Je vais mettre l'autre en bas. Non, je vais mettre de l'autre côté plutôt sur. Ici. Il m'énerve ces fils de colle. Je suis en train de me battre avec les fils de colle, mais bon, c'est pas grave. Hein. On évite vraiment d'en mettre au milieu. Vous voyez, je travaille surtout l'extérieur, pas trop le milieu. Et j'ai encore perdu le bout. Là. Je vais pas y arriver. Hop. J'espère que ça passe pas. Donc là, je vais regarder si pour moi ça va passer. Ouais. Mais j'aurais voulu en mettre plutôt en haut aussi. Là, ici, on va en mettre un ici. Mais après, je mettrai rien dessus par contre à cause de l'épaisseur. Parce que je veux pas d'épaisseur. À cause des aiguilles, forcément. C'est pour ça que je réfléchis avant de les coller. Hop. Non, voilà. Ben là, je vais venir recouvrir de gesso et on va continuer après. Donc, je vous reprends tout. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je suis désolée, ça n'a pas filmé. J'ai la carte pleine du coup. Il faut que je télécharge et tout. Donc c'est ça n'a pas filmé. Mais bon, c'est pareil. C'est le même principe que la planche. De toute façon, c'est exactement pareil. Je suis venue coller, superpositionner les sheetboards. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Et là, du coup, ben, on va venir travailler avec les cires. Donc je vais reprendre un là. Donc là. Je vais essayer de changer de couleur. Ouais, on va essayer. Je vais essayer de mélanger du vert, du bleu. Voir ce que ça donne. On va essayer de. Même peut-être on pourrait essayer du violet. Donc je sais pas trop. Donc j'ai ces couleurs là. Celle-là. Hop. Et celle-là. Et je voulais essayer la bleue. Donc, on va essayer la turquoise d'abord. Pour changer un peu. Hein, parce que je ne vais pas refaire tout le temps les mêmes couleurs aussi. Parce que le but est de vous donner plusieurs idées. Oh, il est magnifique celui-là. Donc. Je vais déjà commencer à regarder légèrement hein, ce que ça donne. Ah oui. Donc, il y a
Il est magnifique. Il ressort, mais alors c'est une tuerie. Je suis pas très bleue aussi, hein, en général. C'est pour ça aussi que je voulais changer un peu. Je voulais vraiment que vous puissiez voir un peu toutes les couleurs que j'ai, ce que ça donne. Ouais. C'est sûr, c'est une tuerie. Je sais pas si vous voyez, c'est trop beau. Moi, j'aime beaucoup travailler la cire avec ces pinceaux-là, comme ça, c'est exprès pour les patines et tout, je crois. Ou les pochoirs, je ne sais plus. Parce que, du coup, ça permet vraiment de bien étaler et de passer dans les endroits où le doigt ne passe pas, tout simplement. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, vous voyez, là, en fait, on vient tout simplement... tapoter par-ci par-là. J'aime vraiment beaucoup ce que ça donne. Du coup, ben, je vais essayer de le mélanger. Ouais, je sais, c'est spécial, mais on va essayer de le mélanger avec le violet. On va voir ce que ça donne. Il faut que je teste aussi. Donc, il est magnifique aussi. Je passe bien. C'est pas mal aussi. Hein. Du coup, je partirai bien voilà sur du pour changer du violet et bleu. Ça changerait. Je trouve que ces deux couleurs qui se marient très bien. Et pourtant, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de les travailler, ceux-là, pour le coup. Et pourtant, je trouve que c'est vraiment très, très, très sympa, ces couleurs. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, vous voyez, j'essaye de passer sous les chipboards, hein. J'aime beaucoup cet effet là, ce mélange. Alors, je sais que c'est un peu bizarre. Enfin, moi, ça me fait bizarre en tout cas. Mais je trouve ça assez sympa. Je sais pas ce que vous en pensez du coup. Donc, ouais, on va rester un peu dans ces couleurs-là. On va quand même tester, du coup, l'autre bleu, hein, parce que j'ai le turquoise et j'ai l'aquamarine. Et du coup... j'aime vraiment beaucoup. Je crois qu'il y aura d'autres projets avec ces couleurs-là. Ouais. Donc là, j'essaie en fait de fondre les couleurs qu'elles se mélangent entre elles pour que ça fasse des effets. Je sais pas si vous le voyez du coup. J'ai dit que je voulais essayer l'autre aussi. Donc,
je finis de mélanger un peu les couleurs. Je sais pas si ça ressort bien la caméra, mais perso, j'adore vraiment. Du coup, je vais tester l'autre. On va tester l'aquamarine. Donc, hop. Excusez-moi. Donc voilà ce que ça donne. Donc ben, pareil, on va venir tester ce que ça donne. Donc, je vais tester quand même un peu au doigt quand même. Ah oui. Je ne sais pas si vous voyez là la différence de bleu. Ben, voilà. J'aime beaucoup aussi. Mais bon. Là, ça ne vous étonnera pas. Il ne faudra pas oublier aussi après de venir... faire les bords et le derrière aussi. Le derrière, je le ferai hors caméra. Donc là, j'appuie bien pour essayer de rentrer au fond. Et là, on va essayer de faire un peu avec le doigt. Là, c'est vraiment une première, hein, je teste. Voilà, c'est comme c'est venu en fait. Hein, j'ai pas vraiment réfléchi et voilà le résultat que ça donne. Donc j'essaye d'en mettre un petit peu partout aussi. Donc voilà. Je trouve ça assez sympa. Franchement, j'aime beaucoup. Donc là, on va essayer de faire ressortir les chiffres en violet. Mais pas trop non plus. Hein. Voilà. Là. On peut y mettre aussi peut-être du rose. Hein. Je sais pas si vous le voyez. Hop. Moi, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, voilà, on vient par-ci, par-là. Mettre un petit peu de couleur, jouer avec les couleurs, essayer de faire ressortir les petits détails, puis voilà quoi. J'avoue que j'avais un peu peur hein, pour me servir de ces couleurs. C'est pas du tout mes couleurs, mais ça vous le savez. Donc du coup, j'avoue que j'étais pas très tranquille. Et finalement, j'aime beaucoup. Vous voyez comme quoi faut tester. Parce que si j'avais pas testé pour vous, ben, du coup, j'aurais pas découvert ce mélange de couleurs que j'aime beaucoup. Alors que c'est pas du tout dans mes habitudes.
Donc là, je viens un peu repasser sur les chiffres pour qu'ils ressortent un peu quand même. Donc voilà, je pense que je vais arrêter là. Là, je vais quand même juste venir faire un peu jouer avec les couleurs sur les bords. Et après, de toute façon, je viendrai le finir quand je viendrai peindre le derrière en gesso aussi. Et puis, je viendrai finir comme ça. Donc là, je... ça donne. Là, je prends un peu de violet. Et pareil. Bon, là, j'en ai mis beaucoup, beaucoup, mais bon, c'est pas grave. On les suit. Et on vient l'étaler. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà ce que ça donne. Ben écoutez, moi je me suis bien amusée. Bon, j'en ai un peu partout, mais je me suis bien amusée. Que vous dire que j'aime beaucoup ces couleurs. Hein. C'est sûr, ça change un peu. On pourrait venir mettre aussi du marron, du doré. Ah, j'ai plus de linge. Mais là en fait j'ai vraiment envie du coup de le laisser comme ça. J'aurais peut-être pu essayer avec un peu de rose pour voir ce que ça donne, voir un petit peu. Ah ouais, c'est pas mal aussi. Le rose se marie très bien aussi. En fait, ouais, ces quatre couleurs se marient vraiment très bien, je trouve. Donc, ouais, c'est une belle découverte, là. Enfin, pour moi, en tout cas. Après, peut-être que vous, c'est vos habitudes, hein, moi. Je trouve que c'est vraiment très beau. Ça change, en fait. Et que ces couleurs se marient vraiment bien. Donc, à refaire. Hein, voilà. Du coup, comme on dit, hein, je dormirai moins bête ce soir. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voyez du coup le rose, comment il ressort. Donc ben voilà, ben écoutez, oui, alors là, il y a juste à remettre, mais on l'a déjà fait ensemble. Donc je vais juste remettre les aiguilles après, le temps que ça sèche. Donc je vais télécharger puis on va se retrouver pour la présentation. Donc c'est le 5e projet. Voilà, la pendule mix média avec les sheetboards qui percent. Voilà. Donc j'adore. Voilà. Non mais écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.